Beau matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 26 avril 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, univers infini, ma vie n'est que réussite et succès à tous les niveaux. Amour, santé, finances et juridiques. Dans un délai le plus bref. Ici-bas et maintenant, que cela soit ainsi. Aujourd'hui, j'ai pigé le 9 de feu, donc c'est la série, c'est la suite de feu. Eh bien, la suite de feu parle de créativité, de passion et de carrière. Protégez ce que vous avez créé, tenez-vous prêt, n'abandonnez jamais. Demandez de l'aide à vos anges, activisme environnemental pardon, et droit des animaux. Et on voit qu'elle a un bouclier, cette jeune fille sur la carte, n'est-ce pas? Alors, la suite de feu est un parcours où l'on travaille durement pour réaliser eh bien, ses rêves et ses passions. Il est tout à fait naturel de souhaiter protéger ce que vous avez créé. Bien sûr, il est toujours bon de demander chaque jour, eh bien, à votre ange ou à vos anges d'assurer votre protection et celle des êtres et des choses que vous aimez. Mais c'est parfois à vous, n'est-ce pas ? De défendre vos créations. On vous invite à être courageux, à rester optimiste. Et si nécessaire, faites jouer la loi de l'attraction. Alors cette carte, elle peut aussi représenter les défenseurs de la nature et des animaux. Eux aussi travaillent dur pour protéger cette création magique que l'on appelle planète Terre, n'est-ce pas? Donc, en résumé de cette carte, eh bien, on vous demande de protéger ce que vous avez mis en place, de ne jamais abandonner, même si vous avez un passage là qu'il n'y a rien qui se passe, n'abandonnez pas parce que votre projet, il est positif. Et puis, demandez de l'aide à vos anges. Et si pas à vos anges, peut-être une tierce personne pour finaliser le projet que vous avez mis en place. Vous avez beaucoup de passion, n'est-ce pas, pour certains d'entre vous? Alors ne désespérez pas et mettez vos passions en pratique. Alors cette carte, elle peut signifier aussi qu'il faut faire attention et avoir une bonne vitalité physique. Peut-être à vous préparer à ce qui vous attend, n'est-ce pas? Avoir un système immunitaire fort. Alors, il y en a qui n'ont pas confiance et qui se disent « Oh, je n'arriverai pas ». Mais sachez que vous êtes bien, bien plus fort que vous ne le croyez. Croyez en vous, en cette force que vous avez en vous. Vous vous sous-estimez. Pourquoi ? Ne vous sous-estimez pas. Vous avez cette force en vous. Croyez en vous. Et ce bel archange Ariel vous apporte la force. Dans le tarot de Marseille, c'est la carte numéro 11. Alors demandez
à ce bel archange Ariel de vous aider à protéger non seulement vos créations, mais aussi celles de la nature et du monde. C'est important de protéger vos créations. Et puis, faites appel à la loi d'attraction, n'est-ce pas? Écoutez, c'est aussi une carte très positive. Je dois dire que depuis le début de la semaine, c'est un tirage qui n'est pas mal. On termine avec le petit oracle des anges gardiens. Créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis aujourd'hui. Regardez un peu quelle belle synchronicité avec le 9 de feu, créativité pour le petit oracle des anges gardiens. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain avec un nouveau message et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.